moi c'est André Maxime, je suis de Zego. Je suis à Gros, ça fait 3 jours. J'ai entendu parler du prophète. Ça fait une joie pour moi de le voir à neuf. Et moi, mon impression est que c'est une joie qui m'anime, hein, parce que quelqu'un qui vient dans un village, libérer ce village des mauvais sorts, faut le soutenir, faut l'encourager dans la prière, sur tous les plans, vraiment faut le soutenir, parce que c'est pas normal qu'un village où il y a assez de cadres, on ne voit pas aucun signe de développement, et tous nous voulons le développement, et dans un village s'il n'y a pas de développement, ça ne peut pas avancer. Donc si le prophète, par la grâce de Dieu, libère ce village sera libéré de tous ses sorts. Donc, c'est le souhait de chacun. Donc, vraiment, je l'encourage et je le félicite. Que Dieu fasse qu'il vraiment il libère tout un village. Et vu de cela, tous ceux qui sont cadres, dans les villages, sans peur, tous ceux qui sont élèves, les vacances, il y a des gens même pour les venir en vacances ici, ils ont peur. Parce qu'ils disent que la soutenerie est là. Tu as ton enfant qui, aujourd'hui, demain, qui doit te nourrir. Si on doit t'arriver sur ton enfant en soutenerie, c'est pas normal. Donc, vraiment, c'est de beaucoup prier ensemble pour que vraiment ce bien soit libéré. Vous avez un appel à lancer, concrètement? Non, l'appel que je lance, que le prophète vraiment fasse voir le tour de ces villages, de tous les villages du canton. Ouata, de Divo et partout ailleurs dans toute la Côte d'Ivoire. Surtout vraiment chez moi, si tu peux aller chez moi, vraiment ça va me faire plaisir. Où? À Zego. Parce que vraiment, c'est vraiment de catastrophe là-bas. On ne peut pas avancer. On tourne en rond, on peut avancer et vraiment ça fait pitié. Vraiment, qui vient vraiment nous aider. Voilà. Vraiment, c'est l'appel que je lance. Vraiment, qui vient nous aider. Qui vient nous libérer. Ok. Votre mot de fin? Mot de fin, vraiment, qui vient nous libérer. Ok, merci.